Chevalier du Cygne, je suis curieux de savoir pendant combien de secondes tu pourras me tenir tête. Combien de secondes? Ah, j'ai bien peur que tu me sous-estimes. Tu risques d'être surpris, les chevaliers de bronze ne s'avouent pas vaincus si vite. Je vais déchaîner contre toi les foudres glacées de la Sibérie. Ah, ah, la poussière de diamant. Tu as l'air étonné, chevalier. Et pourtant, ce n'était qu'un jeu d'enfant pour moi. Tu maudiras le jour où tu m'as rencontré. J'espère que tu connais d'autres techniques de combat, parce que sinon tu risques de te retrouver au royaume des morts. Il a repoussé la poussière du diamant, sans aucun effort. Hagen, même si je dois perdre la vie, je m'emparerai de ton saphir de Dain, la pierre de Bêta. C'est donc pour ça que tu veux te battre et que comptes-tu en faire? Quand nous aurons les sept pierres, nous pourrons ôter l'anneau des Nibelungen du doigt d'Hilda. L'anneau des Nibelungen? Oui. Nous ne pouvons pas laisser la princesse Hilda mettre en danger toute la planète. Qu'est-ce que tu dis? Je veux mettre fin aux souffrances de Flamme. Je t'interdis de parler d'elle comme s'il s'agissait de ton ami. Tu racontes n'importe quoi. Crois-moi. Tu vas essayer de sauver ta peau, n'est-ce pas? Mais on n'échappe pas à son destin. Attends, non, je t'en prie, attends. Que le vent du nord te blâme! Oh, oh. Oh, oh. Tu as eu ce que tu méritais. Tu resteras à tout jamais prisonnier de ce cercueil de glace, chevalier du Cygne. Désolé de te faire mentir, mais je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Hein? Oh! Il est de notre devoir de chevalier de protéger Athéna. Tu ne veux pas reconnaître ta défaite! Écoute-moi, si tu savais ce que la princesse Flamme m'a dit, tu ne te conduirais pas de cette manière. Tu es un incorrigible menteur! Tu sais pourtant bien que la princesse Flamme s'est enfuie avec moi du palais de sa sœur, tu ne peux pas le nier! Tu as dû la forcer d'une façon ou d'une autre, et tu vas le payer! Je t'ai dit la vérité, tu ne me crois toujours pas! Je ne te croirai jamais! Ne déçois pas cette confiance! Tais-toi! Ah! C'est à cause de toi que les deux sœurs se sont dressées l'une contre l'autre, chevalier! Ah.
Tu as commis un crime impardonnable et je vais faire justice. Mais je ne trouverai jamais un châtiment à la hauteur de cette offense. Je vais te faire souffrir 1000 morts avant de t'envoyer retirer en l'enfer. En garde, par le tonnerre de l'eau, par la fureur du volcan. Oh non! Le tonnerre de l'aube n'a eu aucun effet sur lui, c'est insensé. Oh. Et non seulement il peut lancer une attaque glaciale, mais aussi un souffle aussi brûlant qu'un volcan. Et je te réserve encore d'autres surprises. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras. Si tu tiens tellement à me prendre le saphir d'Odin, il faudra que tu viennes le chercher. Attends, où est-ce que tu vas? Ah! Étrange musique, envoûtante, belle et mélancolique à la fois. Je me demande si quelqu'un se cache par ici. Pourtant, ma chaîne ne bouge pas, je n'ai donc rien à craindre. Je suis heureux de voir que ma musique te plaît, chevalier Andromède. Oh, mais qui es-tu ? Je suis Mime de Veneta, guerrier divin d'État. Le requiem que je joue en ce moment est pour toi. Cette musique t'accompagnera dans la mort. J'ai des pouvoirs spéciaux me permettant de lire dans ton esprit. Et je sais qu'au plus profond de ton cœur, tu n'aimes pas te battre. Alors avant que nous nous affrontions, laisse-moi te dire que c'est à cause de cette faiblesse qu'aujourd'hui tu ne verras pas le soleil se coucher à l'horizon. Je n'ai que faire de tes mises en garde, je connais mon devoir, je dois protéger Athéna et tenter de sauver le royaume. Et je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ma tâche. Si tu veux me barrer la route, tant pis pour toi. Je suis prêt à me battre. Comme tu voudras. Vas-y, attaque-moi. Chaîne nébulaire! Incroyable, ma chaîne s'est arrêtée, comme si quelque chose la retenait. Je n'y comprends rien. C'est impossible. Hagen, où es-tu? Allez, montre-toi! C'est étrange. La chaleur augmente de plus en plus. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à croire qu'il existe un endroit pareil au beau milieu de cette terre gelée. Mais où est-il? Je t'attendais, chevalier! Bienvenue au cœur du volcan. C'est ici le seul endroit de tout le royaume d'Asgard à ne pas être recouvert par les glaces éternelles. Ce sera ton tombeau. Dire qu'il fait un froid terrible dehors. Eh bien, tu transpires. Tu as trop chaud ou tu as trop peur? Tais-toi! Ni la poussière de diamant, ni le tonnerre de l'aube n'ont réussi à le toucher. Va falloir être extrêmement prudent la prochaine fois. Et je ne sais pas si je vais pouvoir supporter cette chaleur. Il fait toujours une chaleur infernale dans cette grotte volcanique. D'habitude, les gens suffoquent en quelques minutes. Mais toi, chevalier, puisque tu as été élevé en Sibérie, cette chaleur doit être particulièrement insupportable. En garde! Oh!
À présent, la fin est proche, chevalier. Bientôt, tu ne sentiras plus rien. Je vais m'amuser un peu avant de te faire rôtir. Énergie de yoga. Yoga est sur le point de mourir dans un torrent de flammes. Comment? J'ai vu une grotte remplie de magma en fusion. Une grotte? Mais alors, ça veut dire qu'il se bat contre Hagen. Mais où est-ce qu'il pourrait bien y avoir du magma à Asgard? Pas très loin d'ici. C'est là où Hagen allait s'entraîner. Je n'ai pas le droit de rester ici. Il faut que j'y aille. Je dois les arrêter. Par la fureur du volcan! Faut que je trouve le moyen de parler de ça. Ton supplice vient à peine de commencer, chevalier. J'ai jamais subi une chaleur aussi torride. Tu commences à sentir les effets, n'est-ce pas? Ça n'est pas un climat agréable pour quelqu'un élevé en Sibérie. Mais toi aussi, tu as pourtant été élevé dans un pays froid. Comment peux-tu supporter une telle chaleur? L'armure de Merak a été conçue spécialement pour supporter n'importe quelle variation de température. Je ne ressens aucun effet de la chaleur. C'est impossible. On m'a donné cette armure parce que c'est celle qui convenait le mieux au lieu dans lequel je venais m'entraîner jour après jour. Je te tiendrai compagnie aussi longtemps que tu voudras. Ou plutôt, aussi longtemps que tu pourras supporter la chaleur. Apparemment, je n'ai pas eu de chance. Il a fallu que je tombe sur le seul guerrier divin capable de faire souffrir quelqu'un élevé dans un pays froid. Il est totalement inutile de résister. Tu ferais mieux de t'avouer vaincu et de venir te battre aux côtés de mes compagnons contre les tiens. Si tu promets l'obéissance à la princesse Hilda, je suis prêt à épargner ta vie. Qu'en dis-tu? Jamais, tu m'entends? Jamais. C'est toi qui ferais mieux de renoncer tout de suite et de me donner le saphir d'Odin. C'est la seule façon de rendre service aux deux princesses à qui tu as juré fidélité. Je ne croirai jamais tes mensonges. Tais-toi! Ça y est, je sais. Cette chaleur... Quoi? Par deux fois, il a subi les assauts de la fureur du volcan, je n'arrive pas à croire qu'il soit toujours vivant. Je n'ai jamais affronté d'adversaire aussi résistant que lui. Écoute-moi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu veux sauver ta souveraine, il faut que tu me donnes le saphir d'Odin. Je t'en prie. Tu n'as toujours pas compris que je ne te le donnerai jamais? Tant pis, je vais t'acheter. Par la fureur du volcan! Subis l'exécution de l'aurore! Je n'en reviens pas. D'où puisse-t-il une telle énergie? Il est à moitié mort. Il est épuisé. Mais quel adversaire incroyable! Si le magma n'avait pas réchauffé son souffle glaciaire, j'aurais été vaincu. L'heure est venue, chevalier! Non, arrête! Ne fais pas ça! Oh! Oh, princesse Flamme! Non! S'il te plaît, je t'en supplie! Mais enfin, pourquoi? Obéis-moi! C'est vous, princesse Flamme. Que voulez-vous, princesse? Écoute-moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ma
sœur a changé. Elle n'est plus du tout la même. Elle n'est pas responsable de ce qu'elle a fait. Elle est sous l'emprise de l'anneau maléfique. Je t'en conjure, toi qui m'as toujours été dévouée, aide-moi à sauver ma sœur avant qu'il ne soit trop tard. Mais enfin, Altesse, reprenez-vous. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez dire du mal de votre sœur. Vous l'avez toujours adorée depuis votre enfance, pourtant. C'est vous qui avez été ensorcelé par toutes ces histoires. Votre sœur tient au bonheur de son peuple. Elle a décidé de le mener vers des pays où il n'aura pas à souffrir du froid. Écoute-la, je te jure qu'elle te dit la vérité. Silence ! Par ta faute, elle nous a trahis. Je ne te pardonnerai jamais. Non. Altesse, je suis navré de voir que vous avez plus confiance en notre ennemi qu'en votre propre sœur. Chevalier, admire ton travail. Tu as jeté le trouble autour de toi, mais je vais te faire payer. Oh non, attends! Mais qu'est-ce que vous faites? Hagen, je t'en supplie, crois-moi. Écartez-vous, je dois le punir. Non, je ne bougerai jamais. Mais vous ne savez plus ce que vous dites. Je t'en supplie. Ma décision est prise. Pardonnez-moi, Altesse, la vie de votre sœur en dépend. Non, arrête. Par la fureur du volcan ! Non ! Qu'ai-je fait ? Princesse ! Oh non ! C'était mon devoir. Pauvre fou. Chevalier, je vais te porter le coup de grâce. Inconscient, tu as osé frapper l'innocente pour parvenir à tes fins. La mort est une punition trop douce pour toi. Silence, ce n'est pas à toi de me juger. Mais je vais te faire payer. Que ma cosmo-énergie s'intensifie au maximum. Je dois parvenir à atteindre le septième sens. Yoga, tu as atteint le zéro absolu, le septième sens, l'ultime cosmos. Mon maître, prêtez-moi la force. Que la fureur du volcan te tira à sa coup jamais! Que l'exécution de l'aube s'abatte sur toi! Non, Hagen!
Kiki, jamais victoire n'a été plus amère. Yeah.